profondément touché. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Par le témoignage d'affection que vous venez d'exprimer à mon endroit, depuis on arrivait à l'aéroport. Croyez-moi, je n'oublierai jamais ce jour. Mais je me dois de vous dire quelques mots. Quelques mots d'affection pour dire combien j'aime le peuple camerounais et j'aime Douala. Mon combat, c'est d'être à vos côtés. Jusqu'à ce que je vois le sourire sur le visage de ma famille des Camerounais. Oui, j'aime mon peuple, je vous aime, je ne sais pas comment vous le dire, mais vraiment, je vous aime. Mon déplacement. Ce qui m'amène à Douala aujourd'hui, c'est que j'ai voulu venir apporter ma compassion à nos camarades, aux citoyens camerounais qui ont été brutalisés, violentés, parfois torturés à l'occasion de marches du 27 octobre, marche pacifique. Je voulais vous dire que je suis personnellement ce qui arrive à chacun de vous. Et je sais que vous aussi, vous êtes très soucieux de ce qui m'arrive. Mais sachez que nous avons toujours dit, nous faisons la politique dans la paix et pour le bien de tous les Camerounais. Nous ne faisons pas la politique contre des personnes. Nous ne faisons pas la politique contre un groupe. Nous voulons que l'ensemble des Camerounais vivent en paix dans leur pays, qu'ils vivent mieux et que chaque jeune puisse avoir une chance dans sa vie. Je reviendrai à Douala vous remercier pour ce que vous avez fait d'extraordinaire le 7 octobre 2018, l'histoire de cet âge. Je reviendrai, parce que nous allons l'organiser de façon exceptionnelle. Aujourd'hui, je voulais vous dire ceci. Soyez rassurés. Nous allons poursuivre notre combat dans la paix. Donc, je suis venu vous apporter mon message de compassion à ceux qui étaient hospitalisés. Il y a un de nos camarades qui a été violenté et qui saignait des deux oreilles. Il est resté longtemps à la Quintini. Avocat, Dieu merci, il s'en est sorti. Il y a un autre dont on a cassé le nez avec une crosse de fusil. Il y a un troisième dont on a cassé l'omoplate qu'on a opéré à Oulamsa. Je suis venu leur dire, ne croyez pas que vous êtes seuls. On est tous ensemble. Parce que notre peuple forme une grande famille dont nous devons nous soutenir les uns les autres. Je suis venu aussi dire à ceux qui vont faire face à la justice le 4 décembre prochain, que nous ne les laisserons jamais tomber.
pour être à leur côté et pour nous assurer qu'ils sortent libres des tribunaux. À cet égard, je voudrais vous demander d'être là massivement à côté d'eux pour les soutenir le 4 décembre prochain. Now I would like to say some few words in English. And you know, and especially our brothers and sisters, English-speaking Cameroonians, you know how dear you are to my heart. And I know that many of you are now displaced from their homes and now living in Douala or Banga or elsewhere. Believe me, I will never forget you, and we are working hard to make sure that the situation is settled properly on due course. My expectation was that we will be able to do so right after the 7th of October. That has not happened. But don't give up, because I will never give up. Soyez persévérants. Soyez persévérants, parce que ce ne sera pas... Nous allons devoir nous battre pendant longtemps, mais nous allons atteindre l'objectif. Il faut garder le courage. Je, avec les autres camarades et responsables de la coalition, nous travaillons sans relâche. Pour trouver les voies et moyens de sortir de cette situation de crise dans la paix. Dans la paix. Je vous ai dit, je ne marcherai jamais sur le sang ou le cadavre des Camerounais pour accéder à la fonction présidentielle. Jamais. Les votes. Je voulais que l'on établisse la vérité, même pour l'histoire. Qu'on établisse la vérité, même pour l'histoire. Pour jeter de nouvelles bases pour la construction d'une vraie démocratie dans notre pays. Nous ne pouvons pas continuer comme cela. Tout le monde vous dit maintenant, allez vous préparer pour les élections législatives et municipales. Oui, il faut le faire, mais sachez que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut donc que ceux qui nous écoutent sachent qu'il n'y aura aucune casse dans ce pays à cause de nous, ça ne viendra jamais de nous. Faux profils sur les réseaux sociaux pour intoxiquer les Camerounais, opposer les Camerounais entre eux. Ce n'est pas ma politique, ce ne sera jamais ma politique. Je veux rassembler les Camerounais, tous les Camerounais, où qu'ils se trouvent, parce que je les aime tous, tous, sans exception. Alors, n'écoutez pas, je vous ai dit et je répète, ceux qui veulent vous entraîner sur le terrain du tribalisme, ignorez-les. Le combat est ailleurs. Le combat est ailleurs. Le
combat, c'est le combat du redressement national, de la renaissance nationale. Nous voulons un pays qui marche bien pour tous les Camerounais. Y compris pour les enfants de ceux qui croient que nous sommes leurs adversaires. Nous sommes l'ennemi de personne. J'ai dit que nous voulons que le pays marche bien. Je ne suis ni contre la police, ni contre l'armée, ni contre l'administration. Parce que demain, lorsque nous serons au pouvoir, c'est avec eux que nous allons travailler. Changez votre cœur. Je ne veux perdre aucun d'entre vous. Les gens croient que la démonstration de force, c'est de jeter les Camerounais dans la rue pour qu'ils se fassent bastonner, pour qu'on les pise et qu'on les casse. Non, ma démonstration de force, c'est dans votre cœur et je sais que vous me portez dans votre cœur. Laissez-les aller casser eux-mêmes. Ils vont casser, ils vont réparer eux-mêmes. Ce n'est pas notre politique. Mais soyez sûrs, parce que le 7 octobre, vous avez exprimé un choix que la nation connaît, que le monde entier connaît. Ça mettra le temps que ça mettra, mais nous atteindrons la barre. Jour et nuit, je vous promets, je vous rendrai compte le moment venu des progrès que nous avons accomplis, mais nous ne dormons pas, je peux vous arriver. Alors je voudrais terminer en vous disant une fois de plus, je vous remercie du fond de mon cœur. Gardez la flamme, parce que c'est votre souffle qui me donne la force d'avancer. C'est votre souffle. Pays, je peux vous promettre que ne lâcherons rien, nous allons avancer. Nous allons avancer, mais dans la paix, je vous ai dit et je répète, dans la paix. Allez ici, rentrez chez vous tranquillement, paisiblement. Je ne voudrais pas, après mon départ, entendre que l'un d'entre vous a été victime d'une violence. Rentrez chez vous paisiblement. L'efficacité, ce n'est pas dans le bruit ou la violence. L'efficacité, c'est dans la paix. Au Cameroun,
l'hymne national en anglais. Bon, il se peut que beaucoup d'entre nous ne connaissions pas tous les versets. Mais que ceux qui connaissent bien avec Mutaga, je vais lui demander d'entonner et on va continuer. Et Cameroun d'un pied de Opofa, dans ce monde du chemin, il n'a mis de la riposte. La tienne s'emploie, en ce qu'elle soit du coin, dans ce monde d'un sang à l'humour de Tilego. Pierre Fadalan d'un monde autant qu'un terre, à aucun mille et la paix de Dieu. D'un ouest et oui, vous voulez ni toi, ça n'en fait pire.
élèves se déplacent seuls sans qu'on leur paye le pain sardine. Les élèves ici n'ont pas besoin de pain sardine parce que... Ça a traîné beaucoup de foule pour vous montrer que le président Kanto est le président élu par le peuple camerounais. C'est le président qui a été voté, le professeur élu par le peuple. Merci à ceux qui sont connectés. Je vous envoie une vidéo importante de l'arrivée de Kamto à l'aéroport. Donc restez connectés. Je vais vous envoyer une vidéo superbe. Comment la garde présidentielle avec le commandant sont en train de protéger le cortège du président. La vidéo est en compression et je vais vous envoyer tout ça tout à l'heure. Donc connectez-vous juste sur la page Maier Phoning. C'était juste un passage, non annoncé. Imaginez-vous si on annonce que le président Kamto est à Douala. On ne donne la sardine à personne ici. On ne donne pas l'eau. Depuis que vous voyez la vidéo, vous n'avez pas vu le pain sardine ni l'eau à boire. Mais le peuple est là. Merci pour ceux qui ont été connectés, partagez la vidéo. Oye.
je vous quitte là maintenant. Le professeur Kamto est parti. Partagez surtout la